Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Nous courons sans cesse après de multiples activités, l'urgence de nos vies, entre travail, vie sociale, vie privée et désir individuel, donne le tempo d'une vie réussie et ambitieuse, avec en toile de fond une insatisfaction permanente qui nous amène à accélérer la cadence. Ne pensez-vous pas que le temps est tout ? En cette première semaine de confinement national pour contraindre la propagation du coronavirus, chacun aura pu apprécier le temps à sa manière, mais une chose est sûre, pour l'ensemble d'entre nous, le coup de frein à main donné en pleine conduite sur autoroute par le coronavirus ralentit sérieusement notre rythme quotidien, nous immobilisant respectivement dans nos quartiers privés. De cette situation exceptionnelle qui parcourt le monde, telle la vague d'un tsunami, et qui nous permet de nous extraire pendant un temps de nos vies sociales, doit nous permettre de mieux réfléchir à ce qui nous attend demain, mais également ce que nous souhaitons voir se réaliser après cette situation. Le coronavirus, qui focalise notre attention, est le premier épisode d'une exceptionnelle crise systémique dont nous devons très rapidement tirer des enseignements. Mais tout d'abord, appréciez, pour ceux qui le peuvent, appréciez le silence. La nature, surprise d'autant de quiétude, se permet de réapparaître, les animaux sauvages réinvestissent les lieux, à Venise, les eaux redevenues limpides attirent les poissons, qui, surpris de ne plus entendre d'ondes et de bruits, s'approchent pour voir ce qui s'y passe. Une habitante vénitienne nous raconte. Je vous écris d'une ville coupée du monde. Nous vivons ici, dans une parfaite solitude, qui n'est pas le vide. Nous prêtons chaque jour un peu moins d'attention à ce que nous ne pouvons plus faire, car Venise, en ces jours singuliers, nous ramène à l'essentiel. La nature a repris le dessus. L'eau des canaux est redevenue claire et poissonneuse. Des milliers d'oiseaux se sont installés en ville, et le ciel limpide n'est plus éraflé par le passage des avions. Dans les rues, à l'heure de la spessa, les Vénitiens sont de nouveau chez eux, entre eux. Ils observent les distances, se parlent de loin, mais il semble que se ressoude ces jours-ci une communauté bienveillante que l'on avait cru à jamais diluer dans le vacarme des déferlements touristiques. Le tourisme, beaucoup l'ont voulu, ont cru en vivre. Ont tout misé sur lui jusqu'à ce que la manne se retourne contre eux, leur échappe pour passer entre des mains plus cupides et plus grandes, faisant de leur paradis un enfer. Venise en ces jours singuliers m'apparaît comme une métaphore de notre monde. Nous étions embarqués dans un train furieux que nous ne pouvions plus arrêter alors que nous étions si nombreux à crever de ne pouvoir en descendre. À vouloir autre chose que toutes les merveilles qu'elle avait déjà à leur offrir, les hommes étaient en train de détruire Venise. À confondre l'essentiel et le futile, et à ne plus savoir regarder la beauté du monde, l'humanité était en train de courir à sa perte. Je fais le pari que lorsque nous pourrons de nouveau sortir de nos maisons, aucun Vénitien ne souhaitera retrouver la Venise d'avant. Et j'espère de tout mon cœur que lorsque le danger sera passé, nous serons nombreux sur cette terre à refuser de réduire nos existences à des fuites en avant. Nous sommes ce soir des millions à ignorer quand nous retrouverons notre liberté de mouvement. Soyons des millions à prendre la liberté de rêver un autre monde. Nous avons devant nous des semaines, peut-être des mois pour réfléchir à ce qui compte vraiment, à ce qui nous rend heureux. La nuit tombe sur la sérénissime. Le silence est absolu. Cela suffit pour l'instant à mon bonheur. Andrà tutto bene. Cette mise à l'arrêt des humains
doit être constatée de manière étrange par la nature. Le temps naturel, non soumis à l'urgence humaine, reprend ses droits. Mais qu'en est-il de nous assignés à résidence ? Cette mise en quarantaine va permettre à chacun de réfléchir et de se reposer. La mise à l'arrêt soudaine de notre système nous extrait du fondement même de nos vies actuelles, le travail et le contact social. Être chez soi un mois, voire deux, en retirant toutes les contraintes qui nous pèsent dessus, toutes les urgences, les rendez-vous, les échéances, tout est mis en suspens pour un mois, tout ce qui obstrue nos pensées au quotidien, levé pendant un mois. Bien évidemment, certains souffrent de cette situation et je ne les exclus pas, mais si vous êtes en santé et avez la possibilité de rester isolé sans contrainte alimentaire ou autre, c'est le moment de vous penser dans l'instant présent. Profitez d'une semaine pour relâcher tous vos réflexes devenus automatismes, heure du réveil, rituel de repas. Ne pensez plus à rien, ne pensez qu'à vous, et pensez à toutes les choses que vous souhaitiez réaliser chez vous et que vous n'avez pas eu le temps de faire. En famille, c'est également le moment de renouer le lien physique et mental avec ses enfants par l'enseignement et le jeu, mais c'est également le moment d'expliquer hier et raconter demain. C'est réfléchir les objectifs de vie et réfléchir à la cohérence du monde. Ce moment de latence confiné chez nous nous dresse en spectateur du monde et de ses imperfections. C'est pour cela que c'est également le moment de réfléchir à cette sortie de quarantaine et de ce qu'il faut impérativement changer dans notre système pour que nos vies ne soient pas risquées quotidiennement. Le premier constat est celui qui va nous demander une forte résilience et la fragilité du système financier mondial. Cette crise du coronavirus nous démontre l'incapacité actuelle de nos États à faire face à un virus qui, par sa propagation très rapide, sollicite des services qui sont aujourd'hui vétustes et précaires. Qu'il s'agisse de l'éducation ou bien encore de la santé, nous constatons dans de nombreux pays que les biens communs, c'est-à-dire les besoins vitaux des populations, ne sont plus une priorité gouvernementale et encore moins financière. Bien évidemment, ce transfert de priorité du public au privé ne s'est pas fait en une journée, mais en des décennies de cohabitation malsaine entre finances et politique, prônant toujours une croissance supérieure chaque année sur l'autel de la destruction de la planète pour nourrir une finance déconnectée de l'économie réelle. Oui, nous avons été gavés de produits de consommation pour donner sens à nos vies de contributeurs du capital. Mais aujourd'hui, où nous constatons la fragilité du système qui d'un simple grain de sable dans un rouage s'effondre, nous ne pouvons qu'admettre que nous avons sacrifié la base solide des États qui leur donnait leur statut de démocratie pour une montée des inégalités croissantes imposées par la privatisation. Il s'agit des biens communs. Nous pouvons les attribuer par le passé à des mouvements politiques, mais aujourd'hui, il n'est plus l'heure de revendiquer une quelconque idéologie. Les biens communs, l'accès à la nourriture, à l'eau, à la santé, à un toit, à l'éducation, sont des biens communs à l'humanité qui permettent la vie en société. Bien évidemment, ces biens sont dépendants de la nature et de ses ressources. Aussi la complexité avec laquelle nous obtenons aujourd'hui un avocat d'Amérique latine dans notre assiette pour le déjeuner à un prix modique, par exemple, n'est plus tenable pour la planète. Les échanges internationaux ne doivent plus s'intensifier et, au contraire, connaître une décroissance, voire une stabilité, si elle est tenable au niveau climatique. Vous l'aurez bien compris, les enjeux de l'après-crise coronavirus sont immenses. Ils demandent aux humains de repenser leur mode de développement, non plus une expansion par le capital destructeur, mais par une gestion partagée des biens communs, c'est-à-dire le strict opposé. Appréciez le temps de cette quarantaine, l'instant présent, le moment de redécouvrir la joie de cuisiner en famille, d'inventer des jeux, de devoir innover et créer. Expulsé de votre routine et de votre zone de confort, permettez-vous d'explorer, de lire, de jardiner. C'est la période propice au semis. Ou alors prenez un stylo, écrivez, prenez une toile, installez-vous au soleil et devenez Picasso. Prenez ce temps long, inattendu,
comme un cadeau qui sera très vite repris dès la crise passée. La pandémie actuelle resserre également l'étau des États sur leur population. Le risque de cette crise majeure est également projeté sur les libertés individuelles et collectives des peuples. L'alibi que représente le coronavirus au niveau mondial pour confiner les populations est un risque majeur. Il est impératif sur cette période d'observer de plus près les agissements du politique et des grosses entreprises qui se permettent d'acquérir encore plus de flexibilité pour sauvegarder l'économie de la crise financière, qui elle ne s'arrêtera pas à la fin de l'épidémie. Nous savons aujourd'hui que c'est l'abandon de nos droits sociaux par la destruction progressive du service public qui met le monde à genoux devant l'incapacité de prendre en charge un événement dont le modèle économique de développement en est l'origine. Cette période de confinement est donc cruciale dans notre réflexion sur l'après. Soit le monde repart sur ses notions de croissance, et à ce moment-là demandera des comptes au peuple pour nationaliser les pertes de la finance, soit nous nous réveillons de ce mois de confinement avec l'espoir de modifier notre modèle en un modèle d'égalité, dans un environnement sain, avec une vie résiliente, c'est-à-dire la seule option acceptable aujourd'hui dans un monde déstructuré, soumis aux tensions financières, sociales et économiques. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green ? Oui ! Green, comment ? Oh, super Green ! Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, 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 tu vois ? Mais tu vois le Green, Green, absolument. Green, Green, Green.